Donc, bonjour à tous, je m'appelle Marie-Amélie Le Fur, je suis athlète handisport de haut niveau et salariée à la centrale de Saint-Laurent. Mon parcours sportif a débuté à l'âge de 6 ans, donc j'ai commencé l'athlétisme. J'en ai fait pendant 10 ans en tant que valide, avec plutôt une prédisposition pour le demi-fond, le 1000 mètres, le 800 mètres. Et à l'âge de 15 ans, en fait, j'ai eu un accident de la circulation qui a conduit à une amputation de la jambe. Et par chance, en fait, l'athlétisme est possible quand on a ce type de handicap-là. Donc très vite, j'ai repris la course et je me suis construit, à l'aide de mon entraîneur Cyril Niveau, un parcours à très haut niveau, puisqu'on a fait tout d'abord les championnats du monde en 2006 avec 3 médailles d'argent. De là, on a envisagé de faire les Jeux paralympiques de Pékin. Et ça s'est plutôt bien passé, puisqu'il y a eu des médailles d'argent avec la possibilité de toucher l'or, donc ça nous a donné envie de continuer. On a préparé les Jeux de Londres de 2012, avec une étape au championnat du monde de 2011, avec 2 médailles d'or. Aux Jeux de Londres, 3 médailles, dont une en or. Et là, je suis dans la préparation pour les Jeux paralympiques de Rio et les championnats du monde de 2015 à Doha. Alors, j'ai accepté d'être la marraine du meeting Michel Musson, puisque ça fait maintenant 2 ans qu'on essaie vraiment d'avoir une compétition handisport sur Blois. J'ai accepté parce que tout simplement ça m'a fait plaisir que mon club, que la ville de Blois souhaite s'investir dans une compétition internationale liée au handisport. C'est assez rare pour être valorisé et vanté. Et c'est vraiment pour ça que j'ai accepté d'être la marraine. Après, c'est toujours très compliqué d'obtenir les agréments, d'obtenir la disponibilité des filles dans le circuit international, mais on a beaucoup de soutien, donc j'espère sincèrement que ce meeting sera une belle réussite et surtout que ça permettra de valoriser l'engagement de la ville de Blois avec le handisport. En ce qui concerne les objectifs sur l'année 2015, donc on est en préparation pour les championnats du monde de Doha qui seront une étape pour les Jeux paralympiques de Rio. Sachant que cette année, on a pas mal modifié l'entraînement, on a intégré de nouveaux éléments que sont la préparation mentale, le fait d'avoir un coach de préparation physique. Donc on est sur de nouvelles bases avec Cyril, on a élargi le staff et surtout l'objectif maintenant est en saut en longueur. Donc voilà, on a vraiment un objectif de médaille sur le saut en longueur et on a un petit peu plus, on va dire, délaissé la course, même si ça reste un objectif, mais pas en termes de médaille d'or.